Re tout le monde. Bon, sans plus attendre, let's go pour la quête avec l'Anjana. Le voyou impitoyable, l'Anjana. Je veux dire que ce monstre était le premier monstre de Monster Hunter World, quoi. Et donc, techniquement parlant, l'un des plus simples, avec le grand Jagras. C'est très rigolo de se dire que là, du coup, c'est un monstre... C'est très très rigolo de se dire que là c'est un monstre 5 étoiles quoi, enfin qu'on le rencontre en premier dans les 5 étoiles. Donc, normalement son gameplay est pas trop compliqué. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne quoi. Déjà il nous fait peur avec son cri déjà. Je crois que lui, sa queue est détachable. Voilà, la petite collerette des familles. Et on commence à arriver sur le gameplay enflammé du Anjana. Et ouais mon pote. Voilà. Le gameplay est toujours pas trop compliqué, mais je vais pas avancer non plus, c'est un sac à PV. Hein. Je vais essayer de me focus sur la queue. Je crois qu'il y a un détache, oui, il y a un détache, c'est bon, parfait. Ok, regameplay feu. Baby.
Alors allez vous taquer mon pote, elle est là. Comment on a récupéré la queue? On a raté de besoin pour une armure ou un truc, donc au moins si on l'a déjà dès le premier truc, ça fait très plaisir. Alors t'es parti où mon pote? T'es parti tellement loin. Maintenant qu'on a le ratalot, je suis même pas sûr que tu nous serves à quelque chose. Mais tu vas peut-être nous aider à améliorer une arme de feu. Aucune difficulté. Une écaille dans Janas. Un pelage dans Janas. Et une autre écaille. Pas certain que... Déjà j'ai l'armure du Rathalos, à mon avis, en termes d'armure de feu, m'étonnerait que je trouve mieux. En tout cas pas encore. Et en termes d'armes, peut-être. Hein. Peut-être une arme de feu plus forte que celle que j'ai actuellement, mais je suis pas sûr. On va bien voir. Alors, je récupère du pelage, des os nasaux, des poches de flammes, du pelage et des écailles. Os nasal, écailles, et encore écailles. Ah, j'ai du nouveau pour toi. Un albudron a été repéré près du temple oublié. Il quitte rarement les montagnes, c'est encore la calamité. En tous les cas, nous ne pouvons pas lui permettre d'approcher Kamura. Nous devons l'arrêter maintenant. En tant que chasseur de Kamura, c'est à toi qu'il revient d'éliminer ce monstre. Cette mission a été transmise à Inoa comme quête urgente. Mais on la fera plus tard. Qui veut me parler? Une quête urgente vient d'arriver. Ta cible est un almoudron. Ce monstre adore la gadoue et n'hésite pas à s'en servir. Mais je sais que tu n'as pas peur de te salir les mains. Alors va, on gagne ce combat dans la boue. Bah élimination, il y a d'autres wyvernes. Alors. Déjà, en termes d'armure. L'armure de l'Anjanas, la voilà. Ça me donne une résistance au feu de 3, mais elle est moins bien que tout ce que j'ai. Donc en soi, bat les couilles un peu. Par contre, en termes d'épée, là j'ai Bazarios. Ah, alors mais il me faut un certificat de champion. Pour avoir un certificat de champion, si je dis pas de conneries, c'est les quêtes d'arène. Sinon, j'ai rien d'autre pour l'Anjanas. Ah, Anjanas, si.
140 et 11 dégâts de feu. 150 et 18, hein. Et en attendant, 100... Ouais. Je vais essayer de voir si je peux pas faire une arène. Si je peux récupérer un certificat de champion avec l'arène, let's go farmer l'Anjanas. Sinon... Bah parfait. Deux joueurs maximum, temps expiré. Bah je prends cette quête hein. Alors du coup, j'ai quoi dedans? J'ai lui c'est explosion et feu aux foudres. Et à côté de ça, j'ai lui, c'est explosion aussi. Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le set de base avec le sabre explosif. Comment ça j'ai deux épées de feu? Ah oui, c'est que je peux pas la vendre l'autre épée. Ok. Et pareil pour vous. On va vous mettre votre set de base. Avec une arme explosive. À côté de ça, on va manger. En soi, il me manque que le certificat de champion. Si je peux en choper un avec cette quête-là, en vrai, let's go se faire l'épée. Ah putain, mais oui, mais c'est pas moi qui choisis les... J'avais oublié ça. Ah, mais je peux choisir. Non, bah let's go. En vrai, Balek, hein. On va juste se défoncer à fond, on va juste faire gaffe à la vie, et puis c'est parti, hein. Ah, par contre, j'ai pas mes chiens et tout. Ah. Ah, ça, c'est relou, ça. On va commencer par le Nicaragua, là. Ça, c'est relou, ça. On va peut-être abandonner, on fera ça plus tard. Hein.
s'est fait défoncer. On va abandonner, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Mizutsune. Le Mizutsune, aucune idée de ce que c'est. Donc on va mettre le set de base pour tout le monde. On veut juste qu'il fasse des dégâts. Mais le Mizutsune, aucune idée de ce que c'est. Aïe! Bah, let's go! Ah, c'est pas un truc. Oh, c'est un truc qui fait faire dodo, ça. Ah, peut-être pas, c'est peut-être un McDo. En même temps, Mizutsune, le renardo, quoi. Le danseur ensorcelant, le Mizutsune. Il est super bon, en tout cas. Peut-être un set aquatique, lui, du coup. Aquatique, soporifique, je sais pas trop, mais... peut-être une arme soporifique et un set aquatique. Je propose de prendre quoi? Nettoyant, la mousse et étoile. Je prends. Hein. Et on va voir ce que donne ce Mizutsune. Magnifique en tout cas. Bon, vu la gueule de ta queue, toi, à mon avis, à ce point. Waouh! Débarrasse-toi du feu au bulle avec un nettoyant. J'en ai pas.
Ok, la queue, c'est bon. D'équilibre en gros. Ok, bah j'ai la queue du Mizutsune, ce serait plaisir. Mais j'ai pas donné de foyon là. Putain, il est parti où par contre ce con? Je le vois plus. Il est là-bas. J'avais perdu les soupçonnés. Ok, let's go. T'es où? T'es en dessous là? T'es dans le trou? Ok. Allez, let's go. Écaille de Mizutsune. Ça va, pas trop dur à tuer. Moussa bulle. Et de l'écaille de Mizutsune. On n'a pas chopé grand chose malheureusement. Malheureusement pas choper grand chose. A voir du coup ce que ça nous offre comme cette d'armure. Bon tout ça. Plus de liquide.
Alors attends, queue de Mizutsune, mousse à bulle, fourrure, griffe, griffe, fourrure, fourrure M, parce que c'est. Alors, Mizutsune. En termes d'armure. Alors, c'est de la résistance à l'eau, mais elle est pas folle. Par contre, l'armure a l'air stylée. L'armure est cool. L'armure est méga classe, par contre. Mais t'as pas l'air fou, quoi. Augmente la puissance des attaques élémentaires d'eau. Tu m'offres que 2 de résistance avec 26 d'armure. Ça me fait chier. C'est rigolo ça. Alors qu'à côté de ça, j'ai lui, elle est pas ouf, mais j'ai 4 de résistance à l'eau quoi. Bon, j'ai que 18 d'armure, ça fait chier, mais j'ai 4 quoi. Encore t'aurais été à 3, je dis pas. Encore t'aurais été à 3, je dis pas, mais là t'es qu'à 2 quoi. Ça me fait chier. Hein. Non, j'ai pas l'affaire. Par contre, en termes d'armes. Mizutsune, dégâts d'eau. Alors 120 et 16 de dégâts d'eau. 120 et 16 de dégâts d'eau. 100 et 23. Ah ouais, le Mizutsune, tu sers vraiment à que dalle. Hein. Ouais, il me faut un truc de Tigrex. Tu sers vraiment à que dalle. Shigenaki. Kaho Metoti. Voilà, Mizutsune, on oublie. Hein. Mizutsune, on oublie. Hein. L'ingrédient secret, capturer un somnacante. Donc là, on est sur une quête de capture. On est sur une quête de capture. Avec l'explosion. C'est la première vraie quête de capture au final qu'on a dans le jeu quoi. Alors limite de temps. Par contre je me rappelle plus comment on capture. Normalement dans le coffre je vais avoir des cadeaux. Là je vais avoir des cadeaux mais je me rappelle plus exactement comment on fait la capture. Il faut mettre des pièges je crois. Comment ça marche? Bombe sonique, piège électrique, bombe tranquillisante. Je me rappelle plus vraiment comment ça marche. Et en vrai, pas me casser le cul, hein. Je vais tout faire au philoptère. Mettre des. Ouais, mais c'est pas ça qu'il me faut. Ah si, ce sera ça quand il sera sur... quand on me dira qu'il sera sur le point d'être capturé, quoi. Mizutsune. Ah
le bâtard. Qui me mettent le message comme quoi il doit être capturé. J'ai peur de la rater cette quête à cause de ça. Un point pour la capture, voilà. Ben voilà. Ça, c'est les vrais couteaux. Exactement. Et bien, et tout, mes copains. Ah, j'ai des gros couteaux. Gros couteaux. Donc, là, je l'ai capturé. Du coup, je gagne pas mal de trucs. Ticket d'Ango. Et disponible à la commande de d'Ango Vigueur. Qu'est-ce que c'est que le Dango Vigueur ? Parce que moi actuellement je mange quoi ? Forgeron, défenseur et médecin. Ralentit un peu la perte d'endurance en cas d'esquive. Ça je m'en bats les couilles. Rien à foutre du coup. Rien à foutre. Chasser un grand monstre. Alors, querelle de couple, somnacante et machin, ok. Ouais, c'est que des quêtes duo après. Ok. Eh bien, écoute. Je vais garder cet équipement, j'en changerai après pour chasser d'autres monstres. Ida, Ida. Maï. Ok, let's go. On va aller commencer par le Somnacant. Qui se trouve là-bas. On va aller commencer par le Somnacant.
Hop. Tu mourras jamais. Allez, meurs. De défense. Ah, c'est bon, ça va. Oh, je l'ai raté. Je défonce le ouf là par contre, je comprends rien à ce qui se passe. Hop là. Et dehors. Oh, il y a le Magnum Halo. Plus du cul, ça. On va aller changer d'équipement. La verge. C'est quoi qui te fait mal, toi, le poison? Comment je change l'équipement des pile-poil? On vous met un truc de poison. Et on peut y aller. Donc toi, du coup, t'es toujours là-bas. Oh, le bâtard. Eh ben viens mon chien, on est reparti. Hein. Toi aussi ton cri fait mal. Thank you.
bien finir par te défoncer toi aussi. Ah, très bien. Écoute-moi bien, gros stuff géant. J'aurais pas dû bouger. En vrai, il me fait de la peine ce mec. Ok, j'ai compris, je me calme. Hop là. Allez, sors le gros couteau. Ça, c'est des vrais couteaux. Donnez-moi des vrais défis, là, les potes. Le McDamalo, comment il va? Des huîtres. Ok. Bon toutou ça. Ok. Le violet. Mais il est trop beau mon chien. C'est juste un haineux, c'est tout. C'est mon vieux chien violet là qui t'emmerde. Il est trop bien mon chien. Alors, où est-ce que je vous envoie de l'herbe, des os, ou du poisson? Bah, va me faire du poisson avec de la ratienne, tiens. Une quête, deux quêtes, trois quêtes. Non, pas la quête urgente. Alors, ici j'ai tout complété. Donc là on a un Kuluyaku et un Anjanas. Alors l'Anjanas, c'est quoi qui lui fait mal du coup? C'est le fléau haut. Donc l'Anjanas commencera par lui.
Mais non. C'est le fléau haut qui lui fait mal. En vrai... L'arme du Mizutsune... et 16 quoi. Pour 100 et 23. Ça, c'est un vrai fléau. Non, je vais me faire le Mizutsune. Explosion. Je vais me faire le Mizutsune. J'ai besoin de son arme. J'ai besoin de l'arme du Mizutsune. Pour avoir une arme d'eau un peu plus qui tape un peu plus fort. Mizutsune, bah t'es toujours au même endroit. Donc on va aller te choper tranquillement. Il me faut pas grand chose de toute façon pour pouvoir craft ton arme. T'es chaud là? Mais tout est chaud comme ça, bâtard! Et wesh! C'est quoi ça? GG. Mais ouais, j'ai pas compris. D'où il est chaud comme ça, l'enfoiré? Il fait méga mal. Depuis quand il fait mal comme ça, ce bâtard? Mais wesh! Thank you.
Non mais retourne-toi, sac à merde. Il est chaud de ouf. Tu vas pas la voir du point de vue du mob. Non, tu la vois pas. Tu sais juste à cause de la petite icône qui est en bas de la map. À peu près où il en est, tu vois. Son état. Mais tu vois pas la barre de point de vue du mob. Tu dois juste te dire que bah tu tapes. Et au bout d'un moment, quand tu lui fais des dégâts, ça se voit sur son corps. Et en gros, bah faut taper, quoi. Et au bout d'un moment, il décède. Des fois, du coup, ça te permet. Du coup, tu peux pas savoir s'il a plus de points de vie ou pas qu'un autre, tu vois. Là, tu vois, par exemple, je sais que là, il va pas bien, tu vois. Il lui manque des parties de corps. Toi aussi, ouais, moi aussi, ouais. J'ai pris un peu de tarif. Mais ça va. Il prend plus de tarif que moi, du coup, ça passe. Heureusement que j'ai des potions, quoi. Ah, et nouveau record de Timax, c'est pour ça qu'il faisait mal. Parce que c'était un gros spécimen. GG, cyber. Là, normalement, si j'arrive à récupérer ce que je veux, je vais pouvoir faire l'arme. Donc je vais peut-être faire moins de dégâts de fléau d'eau, par contre je vais faire plus de dégâts de tranchant avec une arme aquatique. Ça c'est plutôt cool.
Ok. Peut-être que je... Bah non, je vais pas me faire l'armure. Je vais certainement avoir un monstre aquatique plus tard qui va me permettre d'avoir une meilleure armure que celle du Mizutsune. Des griffes. Des griffes. Normalement, j'ai ce qu'il me faut. Normalement, j'ai ce qu'il me faut là. Quelqu'un veut me parler, qui ça? Ah, je m'en fous de toi. Tiki Kamura, je m'en branle. Mizutsune. Ok, je peux la faire. Donc, il me faut ça. Et là, Mizutsune. Du coup, je peux te vendre mon épée. Ok. Maintenant, du coup, je m'équipe avec mon set de feu et mon armure. Mon épée du Mizutsune. Et vous, c'est pareil. Équipez-vous de l'armure de feu. Et d'une arme aquatique. D'ailleurs, en parlant d'arme aquatique, le Mizutsune, ça vous fait pas un truc bien, vous? Je suis en train de penser. 38 d'armure et 3 de résistance à l'eau. Ah non, si, vous, faut que je vous fasse que cette Mizutsune, vous. Vous, faut que je vous fasse le 7 Mizutsune. Et après, en termes de dégâts aquatiques, 95, 5 et 10. Ah oui, bah, y a pas photo. Hein. Et je vous fais le kit Mizutsune. Hein. Du coup, il m'en faut 1, 2, 3, 4. Alors attends, faut que je refasse tout leur set d'armure du coup. Du coup, ok. Du coup, set de feu. Mais
arme aquatique. Hop là. On va les manger pour aller faire plus de dégâts d'eau. Maï! Et on va aller prendre bah, du coup la quête avec l'Anjanas. C'est parti. Anjanas d'ailleurs qui va être le premier mob qu'on va se faire. Fais du bruit, toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On va pas commencer à faire le feu de suite. D'abord, on ferme sa gueule. Bien joué, bâtard. Oh, la plaque! Trop bien, ça. Thank you.
Ok. Aïe! Demi, nef. Oh, il y a une guerre de territoire là? M'intéresse ça. Entre le Pouquet Pouquet et l'Anjanas? Allez. Oh, même pas! Dommage. Ah, si, guerre de territoire. Allez, battez-vous! Peut-être même moyen que j'empoisonne l'Anjanas avec ces conneries. Ça changera rien, mon pote. Ah merde. Bon, écoute. Parfait. En Anjanas, c'est fini. Alors, ensuite, le Kuru Yaku. Volonté, explosion, fléau haut. Mais écoute, je vais garder ce que j'ai. Hein. Le fléau haut lui fait des dégâts, donc let's go garder le fléau haut. Hein. On va pas s'emmerder 6 ans. Salut les copains. Allez, battez-vous. C'est pas du tout la type de base. Salut copain. Hello, motherfucker.
Hello. Wesh. Comment Eva? Et du coup, tu es en mode recherche de créatures spécifiques, mais tu peux niquer tout l'écosystème. En gros, c'est ça. En fait, sur chaque map, en gros, t'as une, deux, trois créatures. Toi, t'as ta cible à chasser. Mais si t'as envie, t'as une heure pour le faire. Chaque quête, ça dure une heure. Mais si t'as envie de t'amuser à aller niquer tout l'écosystème entre temps, bah tu peux. Là, tu vois, ma quête, c'est que je dois en chasser deux. Sur la carte, on avait trois. J'ai croisé le Pouquet sur la route, je l'ai défoncé. Mais je te dis, c'est un jeu qui pourrait te plaire, faut vraiment que tu viennes. C'est trop bien Monster Hunter. Wesh, la gameuse. Déjà test, je préfère No Man's Sky. Ouais mais t'as pas test avec un copain, c'est pour ça. Parce qu'en vrai c'est ça la beauté de Monster Hunter, c'est de jouer ensemble tu vois, faire des quêtes en multijoueur. Là pour l'instant je fais des quêtes histoire pour me stuffer etc machin, mais le but c'est de faire des grandes quêtes multi avec des gros boss. C'est ça le vrai but. Ok. Samouraï. Ok, on prend tout. Alors ensuite, donc là j'ai deux sous-quêtes à faire valider. Et donc il me reste plus que le tétranodon et le volvidon. Alors, tétranodon, il fait des trucs qui puent. Non, tétranodon, c'est de l'eau. Et lui, c'est la paralysie qui lui fait mal. Ok. Et le volvidon. Volvidon, ça va être explosion, mais lui, il fait des dégâts qui puent. Donc, on va prendre l'équipement aquatique. Mais avec l'arme paralysie. Et pareil pour eux. Équipement aquatique. Il
mais avec une arme paralysie. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas une arme paralysie qui est mieux que celle que j'ai. Parce que pour l'instant... Ah non, ça c'est la foudre, le Zinogre. Mais en paralysie, j'ai quoi? Parce que j'ai la lame du baggy, mais... J'ai rien d'autre en paralysie que le baggy. Oh, fait chier. Ok. On va commencer par le gros. Et après on ira se faire le vol bidon. C'est son armure à lui, là, du coup, que je porte. Et ça m'emmerde parce que c'est vraiment une des armures du départ. Et l'armure du Mizutsune a fait moins de résistance, ça casse les couilles. Et après, c'est à réfléchir parce que peut-être qu'elle fait beaucoup plus de dégâts, que, beaucoup plus de points d'armure pour les politiques, quand même. Ça t'est paralysé. Hop. Je te la ferai pas, mon pote. À aucun moment t'es digne, mon pote, pour trouver ça. Ouais, je pense que tu dois tuer des monstres et craver des armures et devenir plus fort. D'autres moyens de con, d'autres rameurs et tuer d'autres monstres. Ouais, bah c'est du farm hein, ce jeu par contre. Par contre, ça c'est vraiment le jeu du farm.
Ok, il s'enfuit. Le Rathalos va attaquer le Volvidon. Ok. Tétradodon, c'est finito. Et on a dit le Volvidon, c'est quoi qui lui fait mal? Ça va être long, je vais prendre l'épée explosion. Changer le set d'armure, on va partir sur le set de base avec le avec l'armure explosion. Ok. Donc normalement là tu t'es pété contre le Rathalos et du coup il t'a fait bien mal. Donc, tu vas avoir encore moins de points de vie, ça va être encore plus facile de t'anéantir. Allez, on met le combo. Ah, dommage. Allez, on met le combo. Et ben voilà. C'était facile en fait. Hop là.
Utela, Utela. Ok, il me reste plus que la quête urgente, ce qui débloquera normalement les 6 étoiles. Lucky.